Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 23 novembre. Au palais de Kossiam, il a été décidé que 4500 tonnes d'engrais seront acquis au titre de la campagne 2016-2017. Une mesure qui devrait rassurer le monde agricole qui, lui, peut témoigner des effets néfastes des changements climatiques. Les patients, eux, ne sont pas du tout rassurés. Nous sommes au deuxième jour de la grève menée par les travailleurs de la santé humaine et animale. Dans les artères de la capitale, ils ont marché ce matin pour dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent précaires et une fois de plus interpeller le gouvernement quant à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Pas question pour la Côte d'Ivoire de quitter la CPI. Avec un ton rassurant, le président Ouattara en visite officielle en France a donné la réponse de son pays sur les appels à quitter la Cour pénale internationale. Cette question n'a pu être éludée par les homologues ivoiriens et français, tant la légitimité de la Cour fait de plus en plus l'objet de contestations sur le continent. Le Conseil des ministres s'est donc réuni ce jour et parmi les mesures à retenir, il y a celle-ci, l'acquisition de 4500 tonnes d'engrais. Le Conseil a approuvé l'appel d'offres pour cette acquisition qui compte pour la campagne agricole 2016-2017. Précision, Souleymane Sanou, Ruth Biniwatara. Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a pris un décret en vue de résoudre les dommages d'expropriation causés par l'aménagement de la section urbaine RN04. Il s'agit de la voie qui jouxte donc le parc Bangoego, allant dans l'hôpital Yalgado jusqu'à l'échangeur de l'Est. Il y a donc un certain nombre d'expropriations qui sont nécessaires, notamment parce que ça touche des domaines privés. Et le Conseil a marqué donc son accord pour que ce projet soit déclaré d'utilité publique afin donc que les dédommagements puissent se faire. La campagne agricole 2016-2017 se prépare dès à présent et pour ce faire, le gouvernement a marqué son approbation pour l'appel d'offres portant acquisition de 4500 tonnes d'engrais, le MPK et le DAT. Des mesures ont également été prises pour parer aux besoins d'ingénieurs hydrologues pour le compte du ministère de la Santé. Le Conseil a marqué son accord pour le recrutement de 8 ingénieurs hydrologues pour être formés donc dans un institut 2016-2018. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'Eau, nous n'avons que 2 ingénieurs hydrologues et un qui part à la retraite à la fin de l'année. Le Conseil a marqué son accord pour la naturalisation de 84 personnes conformément aux dispositions du Code des personnes et de la famille. Il a également adopté le plan quinquennal 2017-2021 des foires régionales afin de permettre une meilleure valorisation des produits locaux. Il s'agit donc de doter les régions donc de 10 structures de marché. Sur la situation qui prévaut actuellement au sein des structures sanitaires, le ministre de la Communication espère une solution de sortie de crise à l'issue de la rencontre tripartite entre le ministère de la Fonction publique, le ministère de la Santé et l'Union d'Action syndicale. Une rencontre prévue pour ce jour. Et pendant ce temps, à l'hémicycle, les députés de la 7e législature ont présenté leur plan stratégique 2016-2020. Les partenaires techniques et financiers invités à l'examiner ont pu y découvrir un plan organisé autour de 6 programmes déclinés en 18 projets. La présentation de ce plan avec nos reporters Roger Kam et Nathalie Sawadogo. Faire de l'Assemblée nationale burkinabé une institution forte, moderne, innovante, accessible et au service des populations, c'est la vision du Parlement affichée dans son plan stratégique 2016-2020. Un plan stratégique présenté ici aux partenaires techniques et financiers. Nous avons élaboré ce plan pour reconstruire les compétences législatives, en commençant bien sûr par le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale, la mise à jour des principes démocratiques et surtout la liaison avec les populations que nous représentons. Et nous avons bâti autour de 6 axes programmatiques, 18 projets. 18 projets qui vont permettre à l'Assemblée nationale d'avoir une plus grande visibilité, d'avoir une grande capacité de contrôle de l'action gouvernementale et surtout une capacité à se lier aux populations par une communication permanente.
C'est une première et pour les partenaires techniques et financiers, c'est une occasion pour eux de démontrer leur solidarité avec l'Assemblée nationale pour la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. C'est un travail qui s'est fait pendant une période de 7 mois, ce qui est assez exceptionnel. Et il y a 18 chantiers sur lesquels l'Assemblée va travailler. Ça va demander beaucoup de suivi afin d'atteindre les objectifs. Le gouvernement du Canada va financer l'appui du centre parlementaire, l'accompagnement, jusqu'en 2019. L'important pour ces députés de la 7e législature, c'est de pouvoir donner à partir de l'Assemblée nationale du regain à la vitalité productive du peuple burkinabé. Au deuxième jour de leur grève de 72 heures, le Sincha a battu le pavé ce matin à Ouagadougou. Les agents de santé se disent mécontents du non-respect de leur plateforme revendicative et déplorent la nature des négociations entre le syndicat et le gouvernement. Paul David Bambara, Zoubaviel David Dabiri. Les infirmiers et sages-femmes en blouse pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. De la bourse du travail au gouvernorat du centre, ces marathoniens d'un jour ont battu le pavé afin de remettre leur message au gouverneur. Nous exigeons donc la protection des agents sur leur lieu de travail. Voilà pourquoi l'ensemble des travailleurs de la santé humaine et animale vous transmet ce jour le message. D'accord. Je prends acte du message qui m'est adressé en tant que gouverneur de la région du centre. Je vais en faire une bonne exploitation. Sur le trajet, quelques populations expriment leur regret face au durcissement des différentes positions. Sur la question du service minimum, le Sincha se veut un peu plus clair. Nous avons voulu manifester notre colère contre le mépris du gouvernement à notre égard. Nous avons déposé notre plateforme le 18 avril 2016 et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas conclu. Le Sincha dit compatir à la douleur des populations et exhorte le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour une sortie rapide de crise. Et si le syndicat affirme que cette grève n'est pas dirigée contre les patients, il s'avère que le manque de soins est criard dans les centres de santé. À l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les malades subissent cet arrêt de travail. C'est le constat fait par Moussa Ouedraogo et Nathalie Sawadogo. Nous sommes au service des urgences de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Ici, ce sont les agents de santé des forces armées qui assurent le service minimum. Près d'un tiers des patients ont rejoint les cliniques ou des centres de soins privés. Quant à ceux qui sont là, ils n'ont vraiment pas le choix. Je suis là il y a 9 jours aujourd'hui. Parce que la vie, ça ne va pas. Actuellement, là, on chauffe. Par exemple, quelqu'un qui a eu gaz depuis 9 jours. Et puis, on n'a pas de médecin pour les soins. Ce n'est pas intéressant. Comment on va faire? Je ne peux pas la prendre pour aller à la maison. Je n'ai pas l'argent aussi pour aller à la clinique. Je suis venu de Corse-Moro il y a 3 jours. Les agents de santé sont en grève depuis hier, alors que mon malade ne peut pas se lever. Au service traumatologique, ce sont des stagiaires qui assurent le service minimum. Tenez, ce patient est un accidenté, il vient de Combistri. Il va sans doute souffrir le martyr pendant au moins 24 heures en attendant la reprise. L'accident était à Combistri. C'est un véhicule qui l'a coué et puis piétiné sa pied. Donc le pied est carrément broyé. Quand ils sont arrivés, on devrait amputer le pied. Depuis là, ils ont dit que comme c'est au niveau de grève, on n'a pas eu l'appuiement des pieds. Au service de la maternité du centre hospitalier Yalgado Ouedraogo, on retrouve des femmes enceintes souffrant de saignement génital et totalement désemparées. Je suis là il y a 17 jours. Hier, je saignais, mais je n'ai pas eu de soins jusqu'à aujourd'hui. Je demande aux autorités de nous aider. J'ai accouché, mais j'ai des ballonnements depuis dimanche que je suis là. Je n'ai pas reçu de soins. Et selon les stagiaires que nous avons rencontrés, ces hémorragies génitales font partie des premières causes de la mortalité maternelle. Au service pédiatrique, c'est le même constat. Ce sont des stagiaires qui assurent le service minimum.
À propos du lasso, les malades subissent également le poids de cette grève totale. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mot d'ordre de grève est suivi dans les centres de santé publique. Le constat fait hier par Karim Ilboudo et Momo Nibaro. Une grève de 72 heures des agents de santé sans service minimum. C'est le constat fait par exemple au centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso ce mardi 22 novembre 2016. Les malades désemparés ne savent plus à quel sein se vouer. Je suis venue avec ma maman. Elle a fait un AVC. Je l'ai amenée depuis le 19. Mais avec la grève, il y a un problème de soins. Donc on est là, il n'y a pas de soins. Donc on voulait demander au gouvernement, il faut faire un effort. Essayer de voir les revendications que les gens de santé sont en train de demander. Essayer d'améliorer la situation. Bamoussa Ouattara est au service de réanimation avec sa sœur depuis quelques jours suite à un accouchement difficile. La situation était déjà inquiétante et avec cette grève, les soucis sont encore plus grands. Parce qu'on a un problème de trousse de celle qu'on a opérée. Les enfants sont mourus. Actuellement, ça ne va pas. Jusqu'à présent, on a fait 10 cliniques pour avoir sauvé la vie. Les responsables de l'hôpital reconnaissent que la situation est alarmante, même si, dès le départ, certains services ont connu moins de difficultés. Il s'agit notamment du département de la pédiatrie, où vraiment le système était vraiment bien. Aux urgences, quand même, je déplore qu'à ce niveau-là, il n'y ait pas eu de service minimum. Mais la vraie préoccupation, c'est notamment au niveau du Gomère et du département de la maternité. Et là, vraiment, la situation était déplorable. On n'a pas vu un seul agent de santé là-bas. Et il en était de même du service de la réanimation, qui est un service aussi sensible où il n'y avait personne. Et il en était pareil aussi au niveau du bloc opératoire central. Si rien n'est fait dans l'immédiat, la situation pourrait s'empirer, d'où cet appel. C'est véritablement de demander de la part de nos chers collaborateurs, agents de santé là. Et certes, il y a des revendications qui sont là, bon, qui sont plus ou moins légitimes. Je n'en sais rien, mais ce qui est, c'est que nous devons faire en sorte que l'intérêt supérieur du patient soit toujours sauvegardé. En plus du centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso, c'est un vide qui est constaté dans les centres médicaux avec antenne chirurgicale et les centres de santé et de promotion sociale au grand désarroi de la population. Des centrales syndicales du Burkina sont pour leur part attablées à en savoir plus sur le PNDS, le plan national qui devrait booster l'économie du Burkina et partant améliorer les conditions de vie des populations. La rencontre est à mettre à l'actif de la Confédération syndicale internationale et de la Fédération syndicale mondiale du Burkina. Précision, Amado Ilboudo, Vincent Kiendra-Beogo. Le secteur informel doit s'organiser pour faciliter son passage dans le formel, conformément à la recommandation 204 de l'Organisation internationale du travail. C'est ce qui ressort de cette rencontre. Il s'agit pour cette journée de réflexion d'informer les centrales syndicales sur cette recommandation. Nous voyons qu'au niveau de certains syndicats professionnels comme les taximans, ils cotisent, mais les autres corps, ce n'est pas certain. Donc il faut essayer de les sensibiliser, les former afin qu'eux aussi ils puissent faire des cotisations volontaires au niveau de la caisse et même au niveau de la santé pour qu'ils puissent se soigner en cas où ils sont malades. Les acteurs de ce secteur devraient aussi prendre connaissance de leur part dans la mise en œuvre du PNDS et le ministre en charge de la protection sociale d'assurer de la prise en compte des conclusions de ces travaux dans ce référentiel de développement. Tous les pays, comme les nôtres, à économie ferme, devraient effectivement se battre pour que le secteur informel ne soit pas considéré comme un secteur anarchique et pour que progressivement tous les jalons soient posés afin que leur activité s'inscrive dorénavant dans une activité plus organisée dans le secteur formel. Cette journée de réflexion des centrales syndicales du Burkina sur la transition de l'économie informelle vers la formelle se déroule en prévision de la rencontre gouvernement-syndicat prévue en décembre prochain. L'économie de la région des Hauts-Bassins devrait connaître un bond en avant.
foi d'un candidat à l'élection de la délégation consulaire. L'opérateur économique Lassine Diawara a exposé devant les acteurs du monde économique de sa région ses priorités si toutefois il est élu. Quelles sont-elles? Réponses avec Hassan Gourabou et Mireille Carole Tourma. Des élus consulaires affirment soutenir la candidature de Lassine Diawara à la tête de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins. Avec un programme bâti sur 8 axes, Lassine Diawara a entre autres pour ambition de renforcer la gouvernance consulaire, la synergie entre les structures d'appui au secteur privé, la formalisation du secteur informel, l'accès des entreprises au financement. Tout est prioritaire. Donc, pendant les 5 ans, nous allons déléguer au maximum, nous serons un levier. Il s'agit ici de jouer un rôle de leadership, d'identifier où se trouvent les potentialités pour gérer, pour accompagner. Donc on va essayer en même temps de faire démarrer toutes ces priorités. Nous avons des compétences parmi les élus consulaires. Nous allons, si vous regardez mon programme, j'ai dit qu'on va renforcer l'administration pour voir ce que nous pouvons faire. L'élection du président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins est prévue pour le 26 novembre prochain. Le candidat Diawara dit compter sur ses partisans pour une victoire afin qu'avec l'ensemble des acteurs du domaine, il fasse des Hauts-Bassins un pôle de croissance économique. Et puis sachez que la police nationale a animé un point de presse cet après-midi même à Ouagadougou pour dénoncer des cas de fraude lors des élections consulaires du 13 novembre dernier. 3 présumés faussaires ont été présentés pour avoir utilisé de fausses procurations. Moussa Ouedraogo et Zoubaviel David Dabiré pour le compte-rendu. Il y a eu fraude aux élections consulaires du 13 novembre passé au Burkina Faso. C'est ce qui ressort de la conférence de presse du commissariat central de police de Ouagadougou. Selon le commissaire principal de police, Irno Kambiré, les électeurs ont fait usage de fausses procurations, une tricherie d'une ampleur limitée. L'enquête nous a permis d'interpeller 3 individus gardés dans nos locaux et de saisir un lot de faux cachets et initiales au nom d'officiers de police judiciaire, des copies de faux diplômes et attestations. Il faut noter que sur l'ensemble donc, de 9524 votants, 345 ont fait recours au vote par procuration, parmi lesquels 10 ont été jugés irréguliers du fait de la qualité des signataires. Selon le conférencier, les présumés faussaires seront passés devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les faits qui leur sont reprochés sont contrefaçon, faux et usage de faux, faux en écriture publique et escroquerie. Et puis nous poursuivons notre série de reportages sur le Forum international de la recherche scientifique et des innovations technologiques. Dans l'enceinte du FESPACO, nos reporters ont été séduits aujourd'hui par 2 inventions aux appellations tout aussi innovantes, le Tilg Baouré et le Réacto Cracker. À la découverte de cette technologie avec Jean-Eude Bayala et Oumar Zomri. Avec cette invention exposée ici en miniature à la 11e édition du Forum international de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERCIT, finit les problèmes liés au stockage des produits de récolte. Le Tilg Baouré, nom de la trouvaille de Lassane Ouedraogo, est né après 9 ans de recherche dans le domaine de la conservation des récoltes. Avant, on avait des pertes énormes. Au moment des récoltes, c'est pour dire que c'est une inondation de produits. Et le marché est saturé. Et vraiment, il est très difficile de vendre pour gagner quelque chose. Alors, c'est cette difficulté qui nous a amené à trouver la solution. Grâce à ça, on conserve 10 tonnes. Au bout de 10 mois, on a 2 à 3% de pertes. Et encore, à partir de mi-juin jusqu'à août-septembre, les prix sont très élevés. Et on gagne à des doubles bénéfices. Notre chercheur, qui est lui-même producteur d'oignons au Yatenga, veut passer à l'étape supérieure. Il travaille activement à protéger le fruit de sa recherche. C'est un outil qui est en cours de protection et la recherche de brevetés. Celui qui en a besoin prend les contacts nécessaires. Au FERCIT 2016, l'on trouve aussi des inventions qui contribuent à la protection de l'environnement.
Les frères Sanfo, quant à eux, ont trouvé les moyens pour se débarrasser des déchets plastiques, des huiles de vidange et usées. L'outil que vous voyez derrière, c'est le réacto-cracker. Alors, son principe de fonctionnement, c'est transformer les déchets plastiques en carburant sous l'effet de la chaleur. Les résultats obtenus avec ce réacto-cracker sont impressionnants. Notre prototype ici, nous l'avons essayé avec 15 kg de plastique. Nous avons obtenu 13 litres de carburant. Alors, avec les huiles usées, pour 36 litres, nous avons obtenu 30 litres de carburant. Cette invention est sans doute une des solutions aux nombreux problèmes environnementaux. Avec ce réacto-cracker de l'entreprise Greenline Tech, la fin du péril plastique des huiles usées et des vidanges est annoncée pour bientôt, mais à condition que cette invention sorte de l'étape du prototype pour être exploitée à grande échelle. Cap à présent sur Fadan Gourma, où les jeunes militants du MPP suivent une formation sur le leadership. Les valeurs qu'incarnent la démocratie, les droits et devoirs d'un parti politique sont autant de thématiques abordées par les formateurs que sont le Centre international Kwame Nkrumah et la Fondation Friedrich Herbert. Amidou Lankwande, Rasmata Ouedraogo et Mahamadi Ouedraogo. Le parti au pouvoir forme ses jeunes militants et sympathisants de l'Est en vue de renforcer leur engagement politique et civique ainsi que leur connaissance en leadership dans l'alliance politique. Par cet atelier de 3 jours, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, entend contribuer à la construction d'une démocratie nouvelle au Burkina. Le monde est en perpétuel changement. Il faut donc avoir des formations pour que les militants comprennent que quand il y a des actions comme ça à mener, on a besoin de leadership. Et les militants doivent savoir qu'ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Les partis amis ou frères travaillent ensemble. Donc, ce n'est pas une question de majorité ou de gouvernance ou d'opposition. C'est plutôt un engagement politique pour le développement de toutes les composantes de la société. Leadership des jeunes, des femmes et des anciens dans l'alliance politique. Comment s'ouvrir aux exigences du monde d'aujourd'hui? C'est le principal thème qui fait l'objet d'échanges entre participants et cadres du parti au pouvoir. Nous, nous sommes des jeunes et le jeune, il est dynamique, mais il n'a pas l'expérience. Donc si j'ai l'occasion de frotter les anciens, je pense que ça va m'amener à m'aguerrir davantage. Cette formation des jeunes militants et sympathisants du MPP à Fadan Gourma est la 5e du genre après celle de Kaya. Elle regroupe une centaine de jeunes venus des 5 provinces de la région de l'Est du Burkina Faso. Voici à présent une formation qui réunit 2 corps de métier, la diplomatie et la sécurité. Elle est adressée aux futurs impétrants de l'Institut des hautes études internationales et à ceux de l'Académie militaire Georges Namoineau. Ils analysent ensemble les enjeux de la sécurité régionale en tant qu'acteurs. Le point sur ce séminaire avec Nongba Kouda et Oumar Zombré. Ces futurs cadres de la diplomatie burkinabè et des forces de défense et de sécurité renforcent ici leurs capacités. Ce séminaire de formation qui traite de la sécurité régionale vise à leur permettre de mieux maîtriser les enjeux et les acteurs des différents conflits. Nous avons avec la Fondation Konrad Adenauer un accord qui depuis 2002 les amène à contribuer à raffermir et à former les militaires sur la question de l'état de droit, par l'enseignement, sur le plan diplomatique et sur la sécurité. Diplomates et militaires travaillent tous en synergie sur les théâtres d'opération pour amener la paix. Et ce séminaire de formation est aussi une occasion pour ces futurs acteurs de se côtoyer et d'ajouter un plus à leurs connaissances. Et au regard de la montée en puissance aujourd'hui du terrorisme au niveau de la région africaine, elle va nous permettre d'avoir des informations pour combattre le terrorisme. Ce séminaire de formation vient à point nommé, permettra justement aux élèves CEDACTIV d'avoir des connaissances, d'être outillés
dans ce domaine. Après le Mali, le Bénin et la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso est le quatrième pays bénéficiaire de ce séminaire organisé par la Fondation Konrad Adenauer en collaboration avec l'association APPS. Loin de leur salle d'accouchement, les sages-femmes d'Afrique francophone ont parlé des conditions de leur métier. Un métier où l'on ne vient que par vocation tant il est altruiste. Avec l'épouse du Premier ministre, c'est dans une ambiance détendue que les échanges ont eu lieu sans pour autant s'éloigner de la gravité du sujet. Pamwa Drogo, Jean Zongo, Alice Asanfo, reportage. Ambiance festive, ici à la villa présidentielle de Ouagadougou. Le verre levé et le toast porté, ces sages-femmes expriment ici la joie de l'espérance retrouvée. L'espérance que tout sera mis en œuvre pour les accompagner dans leur travail quotidien, afin que plus jamais aucune femme ne meure en voulant donner la vie. Aujourd'hui, en 2016, on est toujours un peu étonné de voir dans quelles conditions les femmes donnent la vie. Leur cause a été bien entendue par les autorités aussi. Elles viennent de toutes les maternités francophones d'Afrique. Et à Ouagadougou, ces sages-femmes ont réfléchi sur les conditions d'exercice de leur métier, mais aussi et surtout sur quels services offrir à toutes les mères qui se présentent à elles. En ville, ça va, mais quand on rentre vraiment en profondeur au Burkina Faso, on sent qu'il y a des sages-femmes qui sont là, qui veulent vraiment travailler. Mais souvent, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elles puissent bien faire leur travail. Pour ce qui concerne les défis en tant que sage-femme, nous comptons effectivement relever ce défi-là. Sage-femme d'Afrique doit faire des accouchements effectivement sans décès maternel. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. À Ouagadougou, des engagements ont été pris. Bien accompagner les femmes. Et pour la représentante de l'épouse du chef de l'État, l'engagement de tous doit être un devoir, car là où il y a la vie, on ne badine pas. Les Ouagadougous sont maintenant habitués à ce cadre qui fait saliver plus d'un. C'est parti pour une nouvelle édition du Festigrille, le festival où la grillade est le maître mot. Au-delà de l'ambiance, les acteurs de cette filière sont cette année invités à prendre conscience des exigences de leur métier. Koalé Nebié et Haruna Maré étaient à l'ouverture. Voici leur compte-rendu. Pour la septième fois consécutive, le festival Les Grillades de Ouagadougou, Festigrille, remet le couvert à la Maison du Peuple. Pour ce rendez-vous, 90% des stands ont été attribués à l'autre moitié du ciel. Plus qu'une vitrine, le Festigrille se positionne aujourd'hui comme un levier de promotion de la filière élevage, selon la promotrice du festival. Tous les exposants ici présents, vous avez 200 stands, vous aurez 200 produits différents. Ils n'auront pas les mêmes goûts. C'est pour dire que ces grillères, ce sont des artisans. Chacun a sa technique de transformation, chacun a ses goûts. Et donc quand vous venez, vous aurez une variété de grilleurs. C'est vraiment l'occasion de venir vraiment découvrir tout ce que ces grilleurs peuvent vous offrir. La cérémonie a connu la participation de plusieurs membres du gouvernement. Pour le ministre en charge des ressources animales, l'élevage est la deuxième mamelle de l'économie burkinabé et le Festigrille est l'un des maillons de la chaîne. Elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de soutien pour surtout renforcer les capacités de tous les acteurs qui sont autour. Et nous, c'est notre politique, puisque comme on l'a dit, c'est bien contenu dans le programme présidentiel, c'est de produire, transformer et valoriser. Le Festigrille, 7e édition, se veut un miroir pour la prise de conscience des acteurs de la grillade quant à leur contribution dans le tissu économique. Les festivaliers ont jusqu'au 27 novembre pour savourer les mets du Festigrille. Dans l'actualité africaine et dans le débat sur la légitimité de la Cour pénale internationale, la Côte d'Ivoire donne sa position. Elle a le mérite d'être claire. Il n'est pas question pour le pays de quitter la CPI. L'annonce a été faite par le président Ouattara au cours d'une visite officielle en France. La Côte d'Ivoire ne quittera pas la Cour pénale internationale. C'est ce qu'a déclaré à la presse le président ivoirien Alassane Ouattara au sortir d'une audience avec le président français François Hollande mardi à l'Élysée. Ce sont des décisions souveraines, mais la Côte d'Ivoire ne quittera pas la CPI.
Et je pense que la plupart des pays sont dans cette volonté. Il s'agit de lutter contre l'impunité. C'est de notre intérêt. Nous devons commencer par la justice au plan national et si possible ensuite au plan régional et continental. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui au niveau du continent. Donc la Cour pénale internationale fait son travail. Souvent d'ailleurs à la demande des pays africains, des autorités africaines. La déclaration du président ivoirien fait référence à la décision du Burundi, de l'Afrique du Sud et de la Gambie de quitter la CPI. La coopération bilatérale, la réduction de la dette et la lutte contre le terrorisme étaient au centre de son entretien avec François Hollande. Alassane Ouattara a par ailleurs jugé courageuse la décision de Nicolas Sarkozy de se retirer de la vie politique. À présent, la revue de la presse nationale. Le sujet présent dans les colonnes des différents journaux n'est autre que la grève des agents de santé. Aimé Solange Guigma. La grève totale des agents publics de santé fait la polémique dans les colonnes des parutions du jour. Des hôpitaux déserts et des malades inquiets, c'est le constat de citoyens au premier jour du mouvement. Le pays, quant à lui, écrit avoir croisé des patients désemparés aux urgences médicales. Certains, se tordant de douleur faute de soins, demandent aux syndicats et au gouvernement de faire pardon pour que les services de santé reprennent. Une grève aux conséquences néfastes pour les populations souligne le quotidien, surtout en cette période de forte épidémie de dengue qui fait des victimes à longueur de journée. En tournée dans les centres de santé, le ministre de la Santé Smaïla Ouédraogo fait remarquer dans notre temps qu'il ne faut pas seulement voir les droits et ignorer les devoirs, car supprimer volontairement le service minimum et laisser mourir des patients dans les hôpitaux ne saurait être une pression sur le gouvernement, mais plutôt sur les citoyens en quête de santé, explique notre temps. Une cruauté bien difficile à comprendre, martèle-t-il. Ce journal fait observer qu'une modification des textes s'impose donc pour rendre obligatoire le service minimum en cas de grève dans le secteur de la santé, car les réquisitions ont montré leurs limites. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.